fidélité, disons. Mais pour nous, c'est un peu comme aller voir nos tantes, nos oncles, nos parents. Oui. On n'est pas du tout ethnologue, ni. On n'a jamais posé de questions. Ce qui a permis, justement, le fait de nous parler sans qu'on ait posé des questions. Dire des choses. Et voilà. Sur le plan de l'artiste, disons, ce qui est intéressant, Julien Navarro, vous savez sûrement, ce sont ce qu'on appelle les peintures sèches. On appelle les peintures de sable faites avec des sables de couleur. Ce ne sont pas des peintures faites pour faire des peintures. Ça fait partie de rites de guérison. Et il y avait à peu près un millier de peintures de sable différentes, chacune correspondant à une maladie bien précise. Et donc, ou quelqu'un d'autre va être soigné ou guéri. Dès plusieurs hommes de médecine se rassemblent avec la personne. Ces peintures de sable, ça traîne par cœur. On ne mente pas comme ça au fur et à mesure. Et malgré que ce soit quelque chose de réalisé avec un ensemble de codes, de choses bien précises, c'est quand même très beau. Et bon, on se demande où est la spontanéité, etc., la liberté de l'art, et donc on se pose des questions. C'est intéressant. Et après, elle devient quoi, cette peinture? Alors, la personne atteinte d'une maladie s'assoit sur la peinture. Alors, il y a tout un ensemble de chants, de prières, d'autres ont toute une médicamentation avec des infusions, des choses comme ça. Selon la maladie, ça dure 4, 5, 7, 9 jours, ça dépend un petit peu. Il y a aussi la grandeur de la peinture qui joue. Et voilà, donc la personne est guérie ou ne l'est pas, ça peut arriver aussi. Et voilà, et donc la peinture est jetée aux quatre coins, dans les quatre directions. Jusque-là, il y a toujours un code à suivre. Cette toile-là est une peinture acrylique, dans laquelle je mélange quand même du sable, mais c'est pour avoir une matière, simplement. Avec quelques éléments qui sont empruntés aux derniers Pueblo, qui occupent des villages tout le long du Rio Grande, du nord au sud du Nouveau Mexique, qui étaient des gens qui vivaient dans des villages bâtis en pierre de grès, bâtis dans d'immenses abris sous roches, comme on en trouve à Mesa Verde, dans le sud-ouest du Colorado, et il y en a aussi sur la réserve Navajo aujourd'hui. Parce que il faut dire que les Navajos et les Apaches, qui étaient le même peuple, sont arrivés là dans le sud-ouest vers le 13e siècle. Mais il y avait déjà d'autres populations indiennes là, c'était les anciens Pueblos. Je n'étais pas sûr, non. Je me suis dit,
tu vas tous les faire, peut-être que ça va être un succès. Mais ça n'a pas été du tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait les autres. Mais donc, je suis pas mécontent parce que ça fait de beaux pas. Et puis, bon, hein, je ne crois pas plus que ça, on ne se compte pas. Mais ce genre de science, plus ou moins occulte. Hein. Mais j'avoue que photographier vraiment, c'est intéressant. D'illustrer son roman qui s'appelait Le Fou d'Amérique. Alors il y avait un ami intime à lui qui était Alain Barthélémy, hein, qui était imprimeur à Avignon, et son autre grand ami Hubert Nissen qui était en train de créer Actes Sud à Mossane, et à Arles après. Et donc, à tous les trois, ils m'ont fait venir et on a décidé qu'est-ce qui allait se passer. Donc, ils ont décidé, dans Le Fou d'Amérique, de soutirer tous les passages qui parlaient d'Indiens, disons. Voilà. Bon, ici, après, ce sont des peintures, de mes peintures sur cartonnette, sur contre-collé, ou du papier fort, que je fais là-bas quand nous sommes chez les Indiens. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile après dans le transport pour retourner, je mets tout ça dans un carton. Ça prend pas de place et c'est pas bon. Où est ça pour écrire et moi pour dessiner. Mais en pensant qu'on ferait quelque chose ensemble. Donc j'ai fait aussi ce dessin et je lui ai envoyé, on m'a renvoyé ça. Là, en dehors de celui du bas et ici, là c'est un travail aussi donc avec Jean Joubert, mais c'est de l'offset simplement. Hein. Donc c'est du dessin original. Hein. Il y en a deux là qui sont utilisés pour le tirage. Bon, c'est des tirages les plus importants. Et c'était réalisé par un éditeur qui était très très bien, qui s'appelait Alain Benoît, qui habitait à Rochefort-du-Gard, qui est décédé il y a 2 ans, malheureusement. Donc ici, c'est un peu mon invité. On m'a permis d'exposer cet artiste Navarro, qui est un peintre et graveur, et en même temps, elle est professeure d'histoire de l'art et de gravure à l'université de Boulder, au Colorado. Donc, un artiste reconnu et réputé. Et l'année passée, il y a déjà 2 ans, avec Marie, on avait vu une de ses expositions à petite capitale Navajo qui s'appelle Window Rock, dans le musée, qui m'avait vraiment touché, très intéressé. Et je m'étais dit, il faut que tu rencontres cette personne. Et l'année passée, on a pu le rencontrer. Et non, c'est beaucoup plus, si je peux dire. Je lui ai demandé de m'envoyer quelques gravures comme ça. Que Diane m'a permis de l'approcher. C'est mon invité. Thank you.